Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce premier numéro de l'écho de l'Anjou millésime 2016. Une année que nous allons débuter avec le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers d'Angers, un établissement de formation professionnelle supérieure. Et pour notamment vous faire découvrir la richesse des formations dispensées et la diversité des publics accueillis, deux invités vont participer à cette émission. Tout d'abord Delphine Mette, bonjour. bonjour. Vous êtes chargé de la relation client au CNAM 49 et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Branger. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial du CNAM ici dans notre département de Maine-et-Loire. Alors comme on le fait pour chaque émission, on va d'abord présenter le site où nous nous trouvons actuellement. C'est un site que vous occupez depuis maintenant deux ans. Un site neuf construit spécifiquement pour vous. Nous sommes dans le quartier de Belbeille, tout à l'ouest de ce quartier. Effectivement, on est 165 rue de la Barre, donc tout en haut de la rue de la Barre, au-dessus du lycée Bergson. Et effectivement, on occupe ce bâtiment depuis deux ans. Enfin, un bâtiment. Conçu et construit pour le CNAM. Oui, apparemment vous étiez rue de Frémur. Alors le CNAM, euh, il y a beaucoup d'antennes en France, il y a tout un maillage sur euh, la région des Pays de la Loire et, particularité, il y a deux antennes ici dans notre département. Il y a deux centres sur le Maine-et-Loire, effectivement, un centre à Angers dans lequel nous nous trouvons et euh, le centre de Cholet qui se trouve dans le domaine universitaire à Cholet. Bon, on fait un petit retour en arrière. Pas très loin, 1794, création du CNAM par l'abbé Grégoire qui disait il faut éclairer l'ignorance qui, qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître. Il y avait une véritable philosophie à l'origine de la création du CNAM. Euh, 220 ans après, est-ce que cette philosophie est toujours d'actualité Cette philosophie est exactement toujours la même depuis euh, la création, effectivement, euh, sur l'initiative de l'abbé Grégoire. On est là, effectivement, pour couvrir l'ensemble du territoire et pour offrir un moyen. À l'industrie nationale au sens du 19e, de développer des compétences sur ce, sur ce territoire et permettre aux individus de travailler leur portefeuille de compétences tout au long de leur carrière professionnelle. Bon, alors on va faire de la pédagogie avec vous, Delphine. Vous allez nous expliquer comment fonctionne le CNAM. Je parlais de diversité des formations, c'est une réalité, euh, et de diversité des publics accueillis, c'est une autre réalité. D'abord, on va parler de, de, de ces formations. Il n'y a plein de choses à disposition de ceux qui veulent suivre les cours du CNAM. Ça va des cours du soir aux licences professionnelles, on aura quelques exemples concrets avec des validations d'acquis. Il y a un panel... Très très varié. Oui, en effet, en fait, on a, eu, on a un panel au CNAM Angers, enfin Maine-et-Loire, comme au CNAM Pays de la Loire, euh, qui va de la formation en cours du soir ou en formation à distance, qui est ouvert aux salariés, aux demandeurs d'emploi qui veulent évoluer, euh, et qui va jusqu'à l'alternance, du coup, où là, du coup, les les, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs euh, viennent trouver une vraie compétence et un diplôme. Voilà, c'est oui, important euh, hein, parce qu'au bout, il y a bien yeah, évidemment l'obtention voilà. de, de ce diplôme. Voilà. Alors c'est pas une finalité pour tous, mais ça peut l'être. Euh, l'alternance voilà, est euh, et la modalité qui permet d'aller au diplôme tout en, a, en ayant une expérience professionnelle adéquate en fait, qui permet du coup d'être beaucoup plus vendeur après sur le marché du travail. Euh, voilà. Et puis à côté, on a des dispositifs qui facilitent l'accès à la formation, qui sont euh, le bilan de compétences pour permettre justement de faire un point en amont de la formation, ou tout ce qui est validation des acquis euh, de l'expérience ou des acquis professionnels, voilà, qui permettent l'accès ou la validation d'un diplôme. Si on parle de formation à la carte, est-ce que c'est une définition qui vous convient, Jean-Christophe, dans le sens où euh, certains peuvent passer près de 10 ans ici au CNAM et euh, avancer à leur propre rythme alors, la formation du CNAM est par définition une formation à la carte, c'est-à-dire que même si ces diplômes sont des diplômes constitués nationaux, euh, délivrés par l'État, euh, pour autant la manière de pouvoir les aborder, Delphine évoquait euh, à l'instant les différentes modalités, hors temps de travail par exemple, ou euh, sur du temps plein journée ou en alternance, euh, le, le, notre objectif en termes de, de mise en œuvre sur le territoire, c'est de faire en sorte que chacun puisse se retrouver au sein euh, du CNAM, puisse l'adapter à son parcours de vie. Parce que la formation tout au long de la vie, dans ce dans ce terme-là, il y a le terme de vie. Et puis notre vie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit qu'elle qu soit personnelle, c'est quelque chose qui est pas forcément très linéaire. Donc on peut moduler en fonction de ce tout qui se fait, passe dans sa vie. On peut tout à fait moduler son parcours. C'est même c'est même essentiel. Et nous, on est là pour s'adapter à ça. Il y a une année où tout fonctionne bien. Où